Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que tout aille bien pour vous. Bienvenue sur plateforme non, il y a un espace que vous remet en pile si Covid a fini le point. C'est avec un immense et réel plaisir à nous rejoindre encore. Nous allons continuer à partager l'actualité ensemble avec vous. Nous remercier bon Dieu qui fait ciel avec terre, qui bon nous y a l'autre privilège, l'autre opportunité. Ben, nous rejoignons toutes fanatiques, nous demandons aux capables de faire la paix avec son fils engendré, Yeshua. Si vous pouvez faire ça, et pensez que vous ne regrettez pas. Si c'est pour la première fois tomber sur la plateforme, non, cliquez sur abonner, activez la cloche, ça va permettre que vous ayez accès à toutes les vidéos. N'a pas gagné pour nous poster pour. Mais si toutefois vous faites ça déjà, on va continuer à partager la vidéo avec famille, avec amis. Pour que voix ça aller dans plus d'oreilles. Jeudi, nous pourrons commenter l'actualité. Après que Dr. Claude Joseph a observé une violation du droit de l'homme, un martyr, ça n'est pas réel en grec, un matouléo. Après que lui a observé une délimitation ou bien une exagération, eh bien, il a bouleversé Saint-Domingue avec seulement un tweet. Nous pourrons commenter ça et nous pourrons commenter aussi l'intervention dominicaine ou les médias dominicains, citoyens dominicains ou tout le monde qui te réagit. Restez là, pas déplacé, gardez la vidéo à du commencement jusqu'à la fin. Nous pourrons l'observer en petite pause et puis n'abtourner pour plus de détails. Bonjour, nous revoici. Moi, c'est Faniel Etienne, fondateur de Sicovida, Faniel Lepoint. Et c'est avec un grand plaisir. Moi, gagné pour moi préparer un programme pour nous. On a commencé à partir du mois de mai. Et m'a va dit nous exactement comment le programme naillé dans les semaines qui a bien pour lui entrer là. On va entrer dans tout le détail nous, pour aujourd'hui. Docteur Claude Joseph, ex-ministre des Affaires étrangères, ex-premier ministre haï. Eh bien, après que l'IT fin observé dans ce maintenant, il y a une série d'agents de la DGM, agents de la Direction générale de migration dominicaine, accompagnés des membres des forces armées dominicaines, qui matisé les Haïtiens et compatriotes, ça, pas été stupéfiant sans que l'IPA fait un bagage. L'IPA fait un coup Ariel Henry, qui ont soi-disant premier ministre dirigeant, n'y pas fait tant que d'autres, n'y pas fait tant que premier alors ministre des Affaires étrangères là qui là, n'y pas fait tant que yo. Et ben il était sorti dans le silence li pour manifester mécontentement li. Pour faire gouvernement dominicain qu'on est, genre d'action ça yo, ce sont des actions qui violent le droit moun. Et ben même le citoyen en tout cas illégal a gagné façon qu'on capable voyer le tourner la caille sans que ou pas violer droit sans que ou pas matiser. Jean directeur immigration qui mentionné semaine passée, hein? Et ben, il te dit que il a protégé droit moun yo, mais il a voyé la caillou et met tiré en bacaban. Et après que Dr. Claude Joseph te fin fait tweet ça, c'est domaine te bouleversé. Nous même qui pas fait nouvelle, nous pas chercher qu'on a information. Gen de bagay franchement, nous pas jom konen. Tout journal en République Dominicaine, Listin Diario, Diario Libre, El Dia, El Caribe, gade tout journal yo getan soti, yo parle, yo publie bagay la. Dr. Claude Joseph mande pou yo ka korije attitude sa, parce que yon citoyen ki illégal nan peyi, yo wap voye le retourne la kaili, ou pas oblige matigize l. Ou pas obligé non plus tout violer douali. Gagner yon anti haïtien santarelé yon ultranationaliste santarelé yon extrémiste qui relé Pellegrin Castillo. Este Pellegrin Castillo lui-même li pa vle tande parler d'haïtien et lem si tande toute presse dominicaine a mandé pour que yo ka investigé ka ça pour voir comment l'État a pris en punition parce que c'est depuis longtemps m'a dénoncé bagay sa yo sur plateforme nan. Ça fait quelques années m'a dénoncé bagay sa yo sur plateforme nan et ben parole la rivé parler docteur Claude Joseph
renforcer l'idée nous avec tweet ça. Et comme étant lycée en personne de l'État, et parce que à chaque moment que lui parlait, il est obligé de faire parole ni importance, surtout l'un des ministres des Affaires étrangères, eh bien, il n'est pas trop doux avec Dominique, ça fait Dominique ou pas de l'OM, ouais, monsieur. On va aller de nous comprendre que Pellegrin Castillo dit, c'est pas une question de violation de droits de l'homme. Attendez, ils ont leader, on représente un parti politique, oui. Il dit que ça c'est une défense de la souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Pour Pellegrin Castillo, il dit c'est défendre Dominique, à défendre souveraineté, parce que ils ont senti occupé par les Haïtiens. On doit analyser ça. Pellegrin Castillo dit, moi-même, peuple haïtien, ça m'a aidé à nous comprendre. Le travail m'a fait, il n'est pas un travail qui est facile. M'a aidé à nous comprendre certaines choses, m'a aidé à nous comprendre la réalité de politique République dominicaine et Haïti. Les Pellegrin dit, ça c'est une occupation dominicaine, on va défendre le territoire. On soi-disant leader politique. M'a demandé est-ce que li pas pensé avec cerveau. M'a demandé dans qui état matière grise monsieur Saïe. M'a demandé dans qui état système limbique lié. Et m'a demandé dans qui état tout et alors les deux amygdales que gagne dans cerveau li dans chaque hémisphère. M'a demandé comment que yo même yo joue de gendarme quand les informations entrent dans le système limbique là, par le thalamus. Comment aimer information ça yo accélérer, comment yo sortir au dehors, comment cerveau décoder les ces genre d'information, parce que s'il dit ça c'est une occupation, nous pral sous qui pourrait li camper, sous qui ça li camper, vous dit c'est une occupation. D'ailleurs, yo connaît ça clair que Dominique yo son paquet par reçu. Par exemple, dans le tourisme, sommes-nous, c'est nous qui parlons langue. C'est nous parler 3, 4, 5 langues. Dans l'agriculture, c'est nous. C'est nous qui travaillons la terre. Hein? Dans la construction, c'est nous. Parce que c'est nous qui avons courage pour nous travailler. Hein? Et il faut me dire clair. Et que le jour où le peuple haïtien gagne un pays qui a fonctionné, le jour où le peuple haïtien gagne un côté qui a travaillé, le jour où le peuple haïtien gagne un hôtel, un resort, gagne un casa de com pour en Haïti, côté moun ka recréer, comme dans le temps passé, Dominique va jouer nous pour faire fréquent avec nous. Le jour où le peuple haïtien gagne et sanitaire, il y a une agriculture qui a développé, comme tu as un caravane de changement, il y a un bon côté caravane de changement dans le président Jovenel Moïse, et c'est une plus bonne activité, président lui-même, l'étape. Moi, je vous conseille ça déjà, mes frères et sœurs. Je vous conseille encore. Lorsque yon dirigeant ou bien yon autorité paraît devant, faut que vous fassiez geste de faut loyal, faut aimable. Et puis, faut que vous contrôlez l'émotion. Un, li déjà c'est yon autorité. Deux, li gezam. Trois, li légal. Et quatre, li pavli ou pavli ou haïtien. Si ou pavli ou, li gen rapport de force ou. Je pense que si li mande un document ou gagne un document présenté li monte ou dans machine nan aucun souci parce que pi deval voile la gueule. Si ou pa gen document tout, pa gagne pour faire raid avec. L'autre bagaille que m'a dit nous tout, que toujours dit nous ça sur plateforme ça, li pa fait belle. Les passages du tout. Pour yon pral voyon haïtien la kaili et puis il dit mieux vous la gemme baïriken. Ça va faire belle, monsieur. Pays a pas bon, c'est vrai. Mais c'est pas bon. Ça va bon. En tout cas, en résumé, Dr. Claude Joseph réactivait l'actualité dominico-haïtienne tout en observant le comportement des agents de la commis, ou les agents du commis, si vous voulez, contrôle migratoire en République dominicaine. Jusqu'ici, on met fin. À ce tour,
Si vous avez aimé, tant mieux. Dans le cas contraire, la vie continue. On se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Gardez-vous bien le moral. Écoutez bien, le moral vous permet de comprendre la situation, de garder le calme, de pouvoir garder les émotions sténiques, pouvoir surmonter toute difficulté qui paraît devant. Gardez-vous bien le moral, parce que tant que va le moral, toute bagarre dans la vie a marché pour vous. Bonjour, au revoir.